Donc maintenant, nous vous proposons un exercice avec un son qui va permettre de faire participer l'accompagnant et qui va vous permettre de travailler le son, de travailler le souffle et d'être dans un état de détente profond. Donc ce style d'exercice pourra se faire durant la grossesse pour vous détendre, pour soulager les différents maux, pour faire travailler votre souffle avec les sons et pour vous aider dans la gestion des contractions le jour J avec votre accompagnant. Donc, vous êtes installé, la maman, sur le ballon, confortablement installé, les bras repliés, la tête en appui, voilà, pour être bien détendu, de sorte que vous sentiez que la respiration soit fluide et glisse bien. Ça doit bien glisser, n'hésitez pas à corriger le positionnement de la tête, si c'est nécessaire, sentir que vous arriviez à bien déglutir, c'est important pour que le son puisse ensuite bien glisser. Donc vous êtes installé confortablement sur le ballon. Prenez conscience des points d'appui de votre corps sur le tapis, sur les coussins, sur le ballon. Vous êtes confortablement installé. Et vous prenez conscience de comment ça respire dans votre corps. Comment est l'air que vous inspirez? Comment est l'air que vous expirez? La personne qui est derrière votre accompagnant va pouvoir venir maintenant déposer les mains délicatement dans le bas du dos, comme pour dire bonjour. Vous qui êtes sur le ballon, prenez conscience du contact des mains de votre accompagnant. L'accompagnant prend conscience de comment ça respire dans votre corps. Comment est votre respiration? Vous qui êtes sur le ballon, vous allez pouvoir laisser glisser le son O à O trois fois de suite. Le laisser glisser simplement en vous concentrant sur les mains de votre accompagnant. Je vous le fais une fois, puis nous le ferons ensemble trois fois de suite. Sur chaque expiration, donc on souffle, on inspire et on y va. Et à votre rythme, vous allez pouvoir laisser glisser le son haut à haut trois fois de suite. On y va. Puis l'accompagnant va pouvoir laisser les mains glisser jusqu'au niveau du milieu du dos. Prenez conscience du contact des mains de l'accompagnant au niveau du milieu de votre dos. L'accompagnant se concentre sur votre respiration, se concentre de comment ça va vibrer dans votre corps. Vous qui êtes enceinte, vous prendrez conscience de comment bébé participe à cet exercice lors du passage de ces sons. Et vous allez pouvoir laisser glisser le son haut à haut à nouveau à votre rythme trois fois de suite. On souffle, on inspire et on y va.
accompagnant va pouvoir venir placer ses mains jusqu'au niveau de vos épaules. Toujours en étant consciente du contact des mains de votre accompagnant sur les épaules, vous allez pouvoir à nouveau laisser glisser le son haut à haut 3 fois de suite, en laissant bien le corps se relâcher. À votre rythme, vous le referez 3 fois de suite. On souffle, on inspire. Et on y va. Puis l'accompagnant va reglisser les mains jusqu'au niveau du milieu du dos. Et vous allez pouvoir laisser glisser le son haut à haut à nouveau 2 fois de suite. Puis les mains de l'accompagnant vont pouvoir à nouveau se placer dans le bas de votre dos. Et vous terminerez cet exercice en laissant glisser le son haut à haut 2 fois de suite. On souffle, on inspire et on y va. L'accompagnant prend conscience de comment ça respire dans votre corps par rapport au début de l'exercice. Est-ce que votre corps est plus relâché? L'accompagnant va pouvoir maintenant délicatement enlever les mains comme pour dire au revoir. Vous qui êtes sur le ballon, vous prenez conscience de comment vous vous sentez dans votre corps. Comment êtes-vous par rapport au début de l'exercice? Comment est votre respiration? Et tout doucement, vous allez pouvoir, sans gêner des deux reprises,
Vous reprenez bien conscience des points de contact de votre corps sur le ballon, des points de contact de vos pieds au niveau du sol, des points de contact de vos bras, de votre tête sur les coussins. Et vous allez pouvoir réveiller le corps en douceur. Pour cela, vous allez respirer profondément plusieurs fois en mobilisant tout doucement les muscles. Pour pouvoir délicatement, à votre rythme, vous redresser et rouvrir les yeux. L'idée de cet exercice est de pouvoir prendre conscience de ce partage entre vous et l'accompagnant. De toute la détente, le bien-être que vous ressentez, la place de l'accompagnant, sentir la chaleur de ses mains, tout son amour et sa bienveillance, les mains posées sur vous. Comment vous avez réussi à vous relâcher. Et comment le jour J, cet exercice pourra vous aider aussi dans la gestion des contractions. Grâce au son, grâce au souffle et grâce au soutien de l'accompagnant.